Après la simulation de qualif, c'est la simulation des rythmes de course. Alors Red Bull serait devant, Mercedes serait à 5 dixièmes presque, Ferrari est à 5 dixièmes pile, donc juste derrière Merco, Aston serait juste derrière Ferrari, 550 millièmes, plus loin on retrouve McLaren à 1 seconde 1, Racing Bulls, donc V-Carb, 1 seconde 15, Williams à 1 seconde 35, Sauber 1 seconde 45, Alpine 1 seconde 5, oh là là, Alpine, ils sont tellement loin quoi. Je vous l'ai dit, hein, ils vont se battre pour l'avant-dernière place en course avec As en fait. Au moins à Bahreïn quoi. C'est catastrophique cette équipe là. Et As donc serait dernière à 1 seconde 6. Ce qui me paraît pas si énorme que ça en rythme de course, 1 seconde 6. Pour une écurie comme As, bon après on verra si c'est encore une fois si c'est vrai ou pas tout ça. Ce ne sont que des estimations, hein, ils n'ont pas non plus toutes les infos finales de toutes les équipes, donc ils sont pas sûrs des quantités d'essence, etc. Ça peut fausser. Ces estimations, bon. Bah écoutez, si Red Bull a une demi-seconde d'avance sur les autres, encore on va se faire chier. Hein. Putain, hein. J'espère que c'est moins que ça. Hein. Ciao.